Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour moi, ça va très bien. Je suis en compagnie de mon poteau Anthony. Hey, salut à tous. Donc, on est parti aujourd'hui pour faire un petit peu de. Anthony va faire un peu de travail de champ. Moi, je vais rester un peu dans la ferme. Je vais faire un peu de vente. Il va aller cultiver pour préparer un champ en entier. Donc, pour ceux qui n'étaient pas dans le live, on a remplacé le casque par le New Land T7. S'il vous plaît pas, envoyez un message en privé à Ludo. Ludo LBN sur Discord. Et il aura le plaisir de vous expliquer son choix. Et voilà. Donc, non, franchement, il est cool ce petit New Land. Quand on était en live, vas-y, tu peux aller, mon pote. Allez. Quand on était en live, on a eu un petit souci avec le semoir. Donc, du coup, j'ai dû le remplacer. Donc, du coup, je suis parti avec celui que j'avais sur l'ancienne partie de cette carte. Et, bah, et puis, pareil pour le. Pour la planteuse, donc voilà, donc en live on a semé le champ 33 et on a fait quoi? On a traité un peu tout, un peu tout le champ en fait. Donc là, on va s'occuper du dernier champ qui nous reste à semer. Là, on aura de la luzerne à la récolter ici. Ah non, on n'a rien à faire ici. Si, faut faucher ce petit bout de luzerne. Je pense qu'on va se servir après pour les moutons, ça. Et puis voilà. Donc allez, c'est parti. Hop, ça va être à la ferme. Donc en tout cas, remercie pour tous les retours que vous avez fait sur la nouvelle série sur Petit Ouest. Elle a été assez perçue. Donc merci à vous. Merci à vous. Moi, je prends un plaisir monstrueux à jouer dessus. Franchement, très très belle carte. Très très belle carte. Alors après, il y en a qui de la critique et tout ça, mais ça c'est comme tout le monde. Mais comme je dis, pour les râleurs, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est bien vrai. Si vous voulez votre carte, à votre goût, et bah c'est la Giant, faites-la. Tout simplement. Parce que je voudrais bien aller voir les petits cœurs faire des cartes. C'est ça, donc voilà. Petit message est passé. Et c'est gratuit. Voilà. En tout cas, écoutez, je dirais vous plaît toujours autant. Vous plaît toujours autant. Donc, écoutez, si on la continue, je ne prends pas de la rater là. Autant on vient de l'attaquer. Puis, je prends du plaisir, je pense qu'on monte aussi. Oui. Donc, c'est cool. Moi, ça me plaît bien. En bonne compagnie. Toujours. C'est. Allez hop, la vache, on l'explose. Donc bon, on en parlait juste avant la vidéo avec Anto, du coup ici. Bon là j'ai rien parce que j'ai pas installé le mode qui m'intéresse. On mettra du coup une petite simulation pour les vaches à viande. Donc voilà. Et puis tout simplement, j'espère que vous avez passé une belle semaine dernière. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Franchement, on met en bouche et nous. Il faut défoncer les vaches. Ça va me faire plaisir. Oh, la luzerne est prête, non? Je vais me transformer en deuxième métier. Alors, par contre, je me pose la question parce que j'ai râlé justement pour vendre ces fameux, le fameux tabac. Et à chaque fois, ça décale d'un mois. Donc, écoutez, j'attends. Ça va peut-être être en avril, du coup, là. Je sais pas du tout, je sais pas du tout, donc j'attends, puis quand le prix va être monté, j'irai le vendre. Après, je sais pas trop comment ça se passe. Donc, il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie de la map. Comme je disais, il y avait une collision dans une zone plaçable qui dérangeait. Il y a eu, attendez, je vais vous le montrer aussi ici. Pour ceux qui veulent faire, voilà, on a rajouté de l'herbe et plein de foliage à côté. Voilà, donc là, si vous voulez créer des fermes, je pense que vous êtes que de vous amuser. Un grand merci à mon poteau Steph, en tout cas. C'est grâce à lui, donc un grand merci à lui. Et les balles de chanvre qu'on pouvait pas vendre avant, vous pouvez les vendre maintenant. Donc voilà. Allez, à mise à jour depuis vendredi. Exactement. Vendredi soir. Alors n'hésitez pas à remettre des retours si vous voyez les petits problèmes. Ouais, ou alors juste pour dire ce que vous pensez de la carte. Ou aussi,
J'avoue, ça fait du bien, ça permet de s'améliorer. Tant que c'est constructif, moi j'y prends. Des petites idées, ou je sais pas. Mais déjà, la carte, elle est excellente, hein, je dirais. Merci. Et pourquoi ça marche pas, hein? J'ai pas eu de soucis. Des végétés, bah oui, des fois. Non, mais là, c'est quoi? Ah, ah bah les bugs. Hein. Un jeu sans bug, c'est pas un jeu. Je sais très bien. Ça me le fait. L'autre fois, j'avais vendu, vous avez vu dans la vidéo, ça a très bien marché. Bon, là, c'est un peu merdé. Bon. Et voilà. Bon, regardez, belle petite vente. Belle petite vente. Oui. Belle vente, même. Alors, je pense que le prochain investissement, je sais pas, faut qu'on en parle avec Anto, je sais pas, je me tâter à reprendre un champ, quoi. Histoire de... Ah. Et ça, c'est quoi, ça? C'est prêt, ça, ou pas, ça? Attendez. Je vais checker un peu ça, parce que... Pour la récolte, et bah oui. Et bah oui, bah oui. Bon, bah, je pense que j'irai après moissonner. Ça, tu vas moissonner? Bah oui, hein, je suis en tabac de près, donc. Ah. Attends, il y a de l'herbicide à faire aussi. Oula, pitneuse. Pitneuse. Oh, bah, quoi qu'un peu d'herbicide, j'ai pas fait encore en vidéo ce matin. Ça peut être sympa, mais bon, déjà, avant toute chose, on va faire la petite ration. Le champ, il avance très bien. Mais bon. Ah, je suis déjà à plus de la moitié. Ouais, après, il est pas petit, je crois. Bah, toi, j'avais pris le même qu'on avait pris sur l'ancienne. Tu sais, sur l'ancienne version de la femme de la valette. Je crois que c'était lui qu'on avait pris, il me semble. Ouais, ouais. Le champ 40. T'avais le champ 40, t'inquiète. Je m'en rappelle très bien. Allez. T'attends pas la t'attends pas de télé de rien du tout. Impeccable alors. Bon, une fois que j'aurai la vidéo, oui, sur des fois on entend un peu, bon enfin ça va, c'est pas. Pas grave. Après sa vie, hein. Ah bah oui. Bon, tant que ça crie pas, ça va. Alors, après tu sais très bien, je vais me mettre en deux secondes. C'est des enfants, moi hein. Faut bien que ça s'exprime un peu. Ouais, mais bon, tu sais très bien comment je suis. Bah oui. Alors, en fait, je vais pas le répéter, hein. Quand même, je suis pas le perroquet, hein. Moi, je suis tranquille. Bon, ça, comment c'est fait. Qui veut déteindre. Ah, en fait, j'ai eu un bonjour à te dire. Ah. Bon. Bah tu le connais pas, hein, mais t'as le bonjour de Monsieur Kevlardo, quoi, au passage. Ah bah, bonjour Kevlardo. Ouais, je connais pas beaucoup, non. Ouais, j'ai jamais dit, Bah il m'a dit, bah attention, moi il était déjà venu sur ma chaîne, mais je dis, bah non, en dessous, non. Si, Ah, t'étais déjà venu. Ah, bon. Ouais. Bah, autant que pour moi, je me rappelais pas, sur le coup. Mais après... Là, attends. Faites des gosses qui disaient. Oui, faites des gosses. C'est que du bonheur. Je vais être à combien là, attends. Je pense que je vais en mettre une demi. Ah, monsieur Kevlardo, il veut faire un concours de chargement de balles. Ah bon? Ouais.
Ah, j'ai dit, moi, j'ai chargé des balles, mais j'ai attends que je vais mieux, quoi. Attends. S'il veut. Ah, ouais, c'est un truc à faire. Hein. Bon, tant que c'est bon joueur. Bon joueur. Tant que ça reste bon enfant, moi, ça me va. Ah, bah oui. Et puis, c'est des petits trucs à faire aussi, hein. En live. Quand t'as un truc, une motivation d'un live à faire. Ouais. Un petit chargement de balles. Pour ceux qui savent charger. Bon, après, hein. Eh, hey, attention, je l'ai déjà battu, hein. Kevlardo. Je l'ai déjà battu. Là. Sur son propre terrain, je l'ai battu. Oh. Ça pique. Eh, hey, surtout que lui, il a un bon équipement, hein, pour ah charger. Ah bah, je sais, oui, là, c'est de fou. Lui, là, que moi, j'étais... Que moi, je suis au clavier souris, hein. Et je l'ai battu, hein. T'es clavier souris, toi? Bah, oui. Bah. Clavier souris, je suis avec le volant. Mais pour charger tout ça, je suis... clavier souris, quoi. Je suis avec la souris, quoi. Hein. D'accord. J'ai le joystick, hein, Logitech, hein, pour faire le chargement. Mais là, je l'ai pas encore branché. Je l'ai pas encore branché sur mon nouveau setup. Mais réveil aussi. Hein. Ah, si. Avant, avec la config que j'avais, comment dire, ça marchait, mais ça buguait à mort, quoi. Ouais, ça, je pense que ça va être juste la ration. Ça va la faire, je pense, mais ça va être fin. De quoi? Ça va être juste? Ah, j'étais un peu gourmange. Ah. Toujours gourmand, monsieur Panchou. On joue. C'est quel jeu, ma pauvre Lucette? Oh non, ça l'est en fait. Et madame, l'enfant, ça va? Ouais, ça va mieux, ça va mieux. C'est moins malade. Ça va mieux? Moins malade? Ah bah moins ça malade. Va là. C'est déjà pas mal, ouais. Ça va là. Ouais. Hop. Ah, le Coupe d'Hollande. Ah, je fais du well, là. Ah, bon, ce qu'il va falloir ça, je m'acheter, là, ce qu'il va falloir acheter sur la ferme, surtout que c'est un télescope, putain. Ouais, je t'en avais parlé, hein. Télescope, là. Ouais, je t'avais parlé de ça, c'était la semaine dernière, je crois. Ouais. Ouais, télescope. Après, pas trop cher, hein. De toute façon, on n'a pas besoin de se ruiner pour un télescope, hein. Ah bah non, non. Après, bon, il a quand même un coup, quand même, mais bon. Ça... Ça nous fera du bien, quoi. Le télescope. Ouais, c'est là. Un gain de temps, tout ça. Je vais regarder ce que j'ai en télescope. J'ai peut-être d'occasion, ça. Hein? De toute façon, ouais, faut regarder dans les occasions. Ah bon. Faut l'acheter neuf, hein. Attends, faut curer encore. Là, faut payer aussi, j'ai ils ont plus de paille. Ouais. Il y a plus beaucoup de paille. La dernière fois. Bah, de toute façon, cet épisode, ouais, on va faire beaucoup de ça, hein, de toute façon. Ah, bah ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas que les champs, hein. Il y a les meux, hein. Voilà, on s'en occupe tranquillement. Tranquillement.
T'as des poules au fait, non? Ouais. Faudra. Ouais, mais j'en ai pas beaucoup, je crois. Faut que j'en rachète, parce que ça produit que dalle. Je sais pas combien j'en ai. Je crois que j'en ai pas beaucoup. Bon, au bout d'un, ça se reproduit vite, ces choses-là. T'as un coq, t'as 120 poules. Ah oh. Elles sont déjà reproduites, alors. Genre, j'en avais acheté 60 au début. Ouais, bah là, c'est... T'as des poules... T'as 60 poules en 5 et... Reproduction, t'as les 60 poules, ils sont à 50%. Et t'en as 60, puberté à 16%. D'accord. Et t'as 1150 F. Ah, pas grand chose. Non, pas grand chose. Hein. Je pourrais pas même me faire une omelette. Hein. Oh, avec 1000 œufs, enfin avec 1000 litres d'œufs, si, je pense quand même. Ouais, moi il m'en faut 6000 pour moi. Enfin, oh, bon hein. Dieu. Je crois que t'as oublié l'ogre que je suis. J'ai le droit de me demander l'heure, mais attention, quand je mange, faut pas m'emmerder. Hein. Même quand il mange pas. Oh, ça va. Eh, bah, va pas me faire passer pour l'ogre que je suis pas. Si, si. Quand tu vas voir un de tes abonnés qui va venir, il va avoir peur. Arrête. Ah mais là, il faut qu'il ait peur. Bon, tu veux. Bon, je serai l'agent de sécurité, hein. C'est tout. Hein. Faut que ça baille derrière. Ah. Le chop dernier. Cabaye. J'ai vu le fond de la couche. Oh. Je pense qu'on fera du off un peu avec Anto, là, je pense. Ouais. Là, je vais pas faire forcément d'accélérer. Je vais faire un épisode un peu chill. J'aime bien aussi. Ah bah, un peu de changement de temps en temps. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, j'aime bien, tu racontes des conneries, tu vois. Ah bah oui. En tout cas, il y a quelqu'un. Il me semble. Je sais pas, mais. Alors, Jésus, je me souviens plus. Qui l'a dit. Qui nous a remercié pour la bonne humeur qu'on met à chaque fois dans la vidéo et que ça fait du bien. Dans ta tête, ah bah ouais. C'est le but, on va dire. Hein. Un but recherché, que tant que ça vous plaît, c'est le principal. Et puis nous, on se fait vraiment plaisir. Allez, tourner. Après, nous, on se prend pas la tête. Tiens, là, qu'ils s'en prennent. Nous, non. Ah non. Faut pas se prendre la tête. Et attention, on a qu'une vie, faut rigoler. Pas pour un gendre. Ouais. Et puis moi, ça c'est sûr, je vais pas me prendre la tête pour un jeu. On a combien pour les vaches là? Ça va pas être mal. Là. Pour 95 000, je pense que ça devrait leur aller quand même. 95 000 de ration, je pense qu'avant qu'elle mange tout. Ouais, c'est bon, hein. 95 000. Hein. Bon, je reviens le faire un peu souvent parce que le problème c'est que. Souvent c'est que j'oublie moi. J'oublie en fait. Et souvent je le fais quand elles sont dans le rouge et du coup ça me prend 2 heures pour les nourrir. Et là vu que j'y ai pensé, ouais. J'ai fait les petits couches de figuier. Au début j'avais pas forcément prévu ça dans la vidéo. Bon, au final, on fait ça. Pas ça. Faut montrer que tu traites bien tes bêtes, hein. Ah bon, quand même. j'ai dit quoi? Oui, faut qu'on aille pulvériser. Attendez, le godet, je vais le laisser là-bas, par contre. On va prendre le petit gilet. Le cura, je pense que je vais le garder pour vendredi.
pour le live. Ouais, il faudra que je remette mon joystick parce que ça, je pourrais remettre le GPS. Ouais. Ah, parce que tu le mets qu'avec le. Ouais, j'ai plein de touches là, sur mon joystick. Ah, mais t'as le joystick farming? Non, c'est le Logitech. Ah, le Pro là, je sais pas quoi, le Pro 3D? Ouais. Ah, bah j'ai le même. J'ai le même. Le gris et noir, quoi. Yep. Bah, c'est Kevlardo qui me l'a donné. Oh. C'est gentil. Bah, ouais, vu que lui, qu'il a eu un truc complet par Suisse. Ouais. Et lui il arrive, comme tu l'as déjà vu, son truc là, complet là, qu'il a mis, c'est ça quoi. D'accord. Lui il a même l'atelier là, pour faire le démarrage du tracteur, tout ça. Oh, il est chaud. Lui il est un peu chaud. Ouais, je l'ai fait avec lui. Bah, je l'ai commencé avec lui, puis après il l'a terminé, gros. Parfait, ça écrase pas. Peut-être j'irai lui prendre. Je vais me le prendre pour moi. Ah, bon, je peux le mettre en route. Qu'est-ce qu'il manque? Est-ce que je vais le mettre? Regarde, je vais tout mettre là. Ouais, et vous savez quoi, le manuel d'attaching, c'est comme ça, j'aime beaucoup, hein, mais là franchement, commence à bien me faire chier. Je pense que ça va dégager, mais alors. Ah, manuel d'attaching, ça fait du réalisme. Mais je suis vraiment con, je suis vide. Ah, d'accord. Oh, jugement pas. Vous êtes tous témoins. Il l'a dit lui-même, c'est pas moi. Je crois que j'en ai même pas d'herbicide en plus, faut que je descende. Bah écoutez, au moins d'acheter. Ça. Ça, c'est toujours ça. Des achats. Hein. Et bah, j'ai pas d'herbicide. Et la stabule à vache à viande, elle coûte combien en fait? Je sais pas. Je sais que je veux. Mais je sais pas combien. Ouais. À peu près, ouais. Ça va coûter un petit. Hein. Bah après, on va pas en mettre 50 000. Hein, de bah non, vache mais j'en veux une petite là. Je te montrerai tout à l'heure. Ouais. Je te montrerai. Ouais, on en mettre une quarantaine de vaches, c'est ça? Ouais, oui. Là, ça commence par une quinzaine, si je veux pas mal. Oui, bah même une quinzaine, ouais. Alors, de l'herbicide, il me faut que j'ai dit, moi. De l'herbicide. Mais je suis comme con, c'est au début. Là. Allez, on va au milieu. Ah, le tracteur, il était bleu. Il commence à être blanc. Et voilà. Mais c'est rien mieux. Ah, mais râle, le manuel de Tachinga, ça nous empêchait de vider dans le silo. Fait comment ça peut, il chance, moi. Enfin, je sais quoi, ce que j'aime bien. J'aime bien jouer avec, franchement, mais putain, je trouve. Ah, il est chiant pour Ouais, c'est ça. Bon, la vidéo va durer 35 minutes, comme d'hab, de toute façon. On a quoi? On a 25 minutes.
Tranquille et détente. Bon. Vas-y, je vais mettre une cigarette. Et allez. T'as mis prendre exemple sur moi, toi. Hein? Hein? De quoi? De. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Va. Ça que va poter. De qui? Pour? Quoi? Non, j'en ai dit, moi. Ah, elle est bonne. Ah bah, mais du coup, je suis même pas allé tout à l'heure. Ah. Je vais y aller, puis je suis pas allé. Bah, fume pas alors. Allez, bon, ce coup-ci, ça a fonctionné, je pense. Ah bah tiens, ça fonctionne. Bah, c'est magie, hein. Eh bah, tu vois. Tu vois, mauvaise langue. Non, on pourrait faire le petit... attendez, je vais faire minuit, tu vois. Ouais, c'est vraiment l'épisode chill. J'adore cet épisode. Hop là. Allez, encore un petit quart. Allez. Ah, de toute façon, si je le finis pas en vidéo, hein, ça finit pour le live. Ben oui. Et ouais, tu m'avais dit dans champ 40, tu allais mettre quoi déjà? Des lentilles. Des lentilles, voilà. Ben, lentilles. Après, c'est un K2, en fait, c'est bien. C'est que... Putain, franchement, il n'y a pas besoin de courir, quoi, en fait. Ah bah non. Il y a vraiment pas besoin de courir quoi. Ça se fait tout tranquille. Ah. C'est top. À part si t'as un ouvrier qui de temps en temps il est un peu lent, mais bon voilà quoi. Ouais mais je préfère qu'il soit lent qu'il fasse que des conneries tu vois. Ouais c'est sûr. Moi je choisis un. Non ça va bien. Moi j'aime bien. Moi tant que le travail est bien fait. Oui d'ailleurs faut qu'on parle après d'ailleurs. Merde, je vais fermer ma gueule. Je crois qu'il va me mettre des coups de fouet. Il va mettre le coup de cravache. Aïe, aïe, aïe. Ah bon, c'est que j'aime bien aussi notre série parce que... bah, j'ai dit, bah voilà, moi je découvre un peu un joueur multi, c'est que j'ai jamais trop fait en fait. Et puis ça me permet de jouer avec mes DLC aussi, quoi, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Soit toi, il les a pas. Et c'est vrai quoi, c'est un coup de pouvoir utiliser aussi. Même si honnêtement, pour le moment, j'en ai acheté qu'un sur le 22 et je suis bien content de ne pas avoir pris Season Pass parce que. Il n'y aurait pas eu grand chose qui m'ont intéressé, franchement. Mais après, attention, après, c'est moi. Après, il y en a, voilà, s'il y en a qui kiffent le bois et tout ça, voilà, vous êtes super content de. Du platinium ou je peux commencer à appeler et puis voilà, enfin après il en faut pour tout le monde, attention. Je juge pas, je jugerai jamais. On n'est pas bûcheron hein. Non moi j'ai pas trop. Le bois c'est vrai que ça m'agace vite. On va dire que c'est un jeu de ferme hein. Bon après non, mais après après c'est. Je trouve ça bien moi qu'il y ait de la diversité, c'est que tu puisses jouer. Aussi, tu sais, t'amuser un peu à faire du forager et tout ça pour ceux qui aiment. Non, je trouve ça cool parce que le jeu le permet. C'est comme les usines, tu vois, les usines. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins, après. Oui, après, il y en a pour tout le monde. Hein. Ouais, ça, je suis bien d'accord. C'est vrai que je trouve ça cool. Ça, je trouve ça cool, pardon. Bon, allez, encore une passe. Et j'aurais fait le nez. Mais je sais pas trop, il sera content. Bon, de toute façon, moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà une demi-heure qu'on tombe. Ça passe vite, hein, quand on fait pas accélérer tout ça. Oh oui. Ça passe vite. En tout cas, bah, dites-moi si vous aimez de temps en temps les épisodes comme ça, un peu à la cool, où on part, on discute, on dit un peu des conneries, un peu tout ça, bref. Dites-le moi, et puis bah, si ça vous plaît, j'en referai d'autres, si ça vous plaît pas, je pense que j'en referai d'autres quand même parce que j'aime bien.
Que ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Bon allez, c'est ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve jeudi, bien sûr, pour le deuxième épisode sur Petit Ouest et vendredi en live, comme d'habitude. Et sur ce, je vous souhaite de passer à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous. Merci à vous tous d'être venus. Et je vous fais des bisous. Bisous, bisous. Et puis, je te... De rien, quoi, mon ami. Allez, ciao, ciao.